Bonjour à tous, c'est Monsieur Montana. Bon, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter les deux coffres du jour. Alors, comme d'habitude, il y en a un en mer, un en sur terre. Donc voilà, les deux sont assez simples et très proches de l'aéroport. Donc voilà, le premier en mer, comme d'habitude, il est plus dur à trouver. Donc voilà, il est tout proche, vraiment, mais alors tout proche de l'aéroport. Ah, on peut même y aller à pied, c'est vraiment juste à côté. Donc voilà, je vais faire un petit tour histoire de montrer un peu le coin. Donc voilà, c'est pas très loin de la tour de contrôle de l'aéroport, pardon, de Cayo Perico. Donc voilà, on se déplace un petit peu. Là, on voit le coffre. Et là, on voit une espèce d'algue rouge avec un petit peu de bleu autour. Et bah, c'est là qu'est le coffre. Donc voilà, c'est un des deux coffres. C'est le plus compliqué, c'est celui qui est dans l'eau, toujours. Donc celui-là est plutôt facile par rapport à d'habitude. Donc voilà, ça c'était pour le premier coffre. Ensuite, le deuxième coffre, celui-là est très très simple à trouver et lui aussi n'est pas très loin. Voilà, il est juste ici, c'est facile. À côté de la petite maison où il y a un bateau abandonné. Donc voilà, très facile d'accès, c'est vraiment très simple. Donc après, bah, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, vous avez deux screens images fixes, histoire de repérer les lieux plus facilement. Donc voilà, je fais un petit tour, histoire de montrer un petit peu le lieu pour vous retrouver, pour que vous puissiez retrouver le coffre plus facilement. Et voilà, au pied de l'arbre, le coffre. Voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner. Quoi qu'il en soit, merci à vous et bon game. Allez, salut.